Bonjour à tous. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Patrick Ridremont, le réalisateur du film Le Calendrier, un thriller d'épouvante qui sortira en salle en France le 1er décembre. Dans cette interview, il nous parle du film, de la genèse du projet et de ses futurs projets en tant que réalisateur. J'espère que cette interview vous plaira et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Alors déjà, pour préciser un petit peu horreur, hein, donc je pense que si on retire, il est difficile de ressortir une seule image du film qui inspire de l'horreur. Donc c'est plutôt vraiment D'accord. enfin oui, il y a un petit peu de sang, c'est presque subliminal par moments, des gorges tranchées, des choses comme ça. Mais on est plutôt sur un thriller d'épouvante, voilà. Alors D'accord. évidemment, c'est dans le grand bac des films d'horreur, mais c'est pas un slasher, c'est pas Massacre à la tronçonneuse. C'est évidemment très fantastique. Ça, c'est plutôt au-delà du genre, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté il était une fois, raconter des histoires qui n'existent pas. C'est effectivement mon premier film d'horreur, mais c'est mon deuxième film. Le premier aussi racontait un peu une histoire qui n'existait pas. C'était impossible, ça se passe dans un monde qu'on réinvente, etc. Mais c'est le gros avantage, évidemment, du fantastique, c'est qu'on sait qu'on est en train d'inventer. Pourquoi est-ce que c'est un genre de prédilection? Oui, quand j'étais, faut savoir, quand on est gosse, on scrutait quand même très fort parce que c'était un interdit au moins de 16, un moins de 12, moins de 18. Putain, ça nous pétait les couilles quand même quand c'était moins de 18. Mais il y en avait beaucoup quand même de films d'horreur interdits au moins de 18 ans. Alors c'était du grand bonheur quand on pouvait aller voir Le Loup-garou de Londres, 16 ans. Waouh, John Landis. Voilà, ça c'est mes premières choses. Et puis alors il y a eu des choses beaucoup plus comiques dans les années 80, le Blob, Reanimator, tout ce genre de films. Et puis alors évidemment Amityville. Et puis il y a eu des sagas, il y a eu carrément des franchises. Je les ai suivies. J'étais déjà presque trop, pas trop âgé, mais je me suis un petit peu désintéressé des films d'horreur que j'aimais à 16 ans pour m'intéresser à d'autres films, genre Evil Dead, parce que je commençais à comprendre l'humour qu'on pouvait y mettre. Ça me faisait bien rire, moi, Evil Dead, particulièrement le dernier, enfin un des derniers. On dirait le scénario des Visiteurs, en fait. Mais alors, Ouais, c'est ça. oui, il se retrouve dans le Moyen-Âge. Je crois que j'ai plus ri que eu peur dans ce film-là. Et donc, le film d'horreur, pourquoi est-ce que j'y viens? Ben, faut savoir que bon, moi je suis pas cinéaste frénétique. Je réalise pas beaucoup de films. J'ai plus de 50 ans, c'est mon deuxième. J'aime faire des choses. Je sais que j'aurai peut-être à mon palmarès 4 ou 5 films. Et ça ne doit être que du plaisir. J'avais commencé avant ce film d'horreur une comédie. Elle est écrite, elle existe, elle est superbe. Le scénario est génial. Et ça devenait une tannée de monter ce film. Entre des acteurs stars qui ont des agendas impossibles, des revendications financières impossibles, des allergies alimentaires impossibles. Mais c'est tout devient impossible, tout devient impossible. Alors quand on a un, ça va, quand on a deux, c'est pas possible. Mais quand on a un troisième qui veut pas être en reste par rapport aux deux premiers, ça devient carrément l'enfer. J'ai rendu l'option à mes producteurs de l'époque en disant voilà. Je lâche l'affaire, je ne suis pas intéressé par faire du cinéma dans ces conditions-là. J'ai une autre vision de ce métier que je n'exerce pas beaucoup, qui est une vision basée très fort sur le plaisir, le bonheur, l'échange, et pas de bâton dans les roues, pas trop de coquetterie. Voilà. Et quel autre genre que le film d'horreur, justement, se prête à ça, parce que c'est pour ça que j'écris très rapidement ce scénario du calendrier, parce que. C'est encombrant des acteurs connus dans des films d'horreur. Surtout si on veut faire croire que l'histoire existe alors qu'on sait que ça n'existe pas. Il était une fois le petit chaperon rouge. C'est compliqué de mettre Marion Cotillard dans le petit chaperon rouge parce que vous voyez Marion Cotillard, excellente actrice, ou Virginie Efira, ou quelqu'un d'autre. Et donc, quand on fait du film de genre, on veut surtout des comédiens qui sont très peu connus, mais qui envoient. Et qui vont adorer se jeter dans la flotte quand elle ne fait que 3 degrés, qui vont adorer se faire poursuivre par des monstres sans trop rechigner, qu'on va respecter parce on est obligé d'avoir beaucoup de bienveillance dans ce genre de tournage parce que c'est des tournages qui vont vite, qui sont violents quand même. Les acteurs souffrent, faut le dire, hein, c'est pas Amityville non plus, il n'y a pas des personnes qui sont décédées pendant le tournage ou après le tournage, c'est pas le tournage d'un western non plus. Oh, c'était de mauvaise Ah, blague. Ouais, par contre, on est obligé d'avoir beaucoup de bienveillance. Donc tout commence, on se repose des tas de vraies bonnes questions, c'est qui sont les meilleurs acteurs
pour jouer ces personnages-là. Chose qu'on perd parfois quand on travaille avec des acteurs bankable, c'est quel est l'acteur qui va me rapporter un financement pour jouer ce rôle-là. Bon, c'est pas exactement celui que je voulais, mais ok, ça va, contre mauvaise fortune, bon cœur. Oui, ça va, il fait aussi 100 kilos comme notre acteur star auquel je rêvais. Donc, ils sont au poids, quoi, hein, au poids du billet de banque, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis arrivé à ce scénario. Je dis, ok, laissons tomber cette comédie qui va me prendre trop de temps, trop d'énergie. Écrivons quelque chose d'un peu plus pour les jeunes, les gens qui ont envie de faire ce boulot. Et c'est comme ça qu'est né le scénario. Enfin, en tous les cas, l'envie d'écrire un scénario d'horreur. Ma belle-sœur est fan de calendrier de l'Avent. Et son anniversaire est en décembre, je crois, ou en novembre. Très bien. Mais systématiquement, elle a droit à son calendrier de l'Avent. Alors que ce soit la maison d'été, que ce soit du Rituals, que ce soit un peu n'importe quoi, du chocolat Côte d'Or. Bon, bref, il lui faut des calendriers de l'Avent et ça ne manque pas. Vous lui offrez ça le 1er décembre. Le 1er décembre, les 30 thés sont bus, les 30 bières sont bues, les 30 chocolats sont bouffés. Voilà, et c'est toujours une grosse fête. Et je sais, et je m'étais dit, tiens, il y a moyen de faire quelque chose avec ce calendrier de l'Avent. D'autant plus qu'il y a à Noël un vrai folklore. Et je cherchais une idée de film d'horreur. Donc là, quand je la vois en train de manger ses chocolats, je me dis, tiens, il y a un vrai folklore. Bon enfant pour Noël. Le couple sera biboche à Noël. Papa revient à la maison. Je serai à la maison pour Noël. Et je dis, tiens, pourquoi pas faire un truc un peu what the fuck, un truc où on n'est pas là pour rire à Noël. Sans que ce soit 36-15 Code Père Noël, mais c'était déjà pas mal. En fait, c'était déjà un chouette contrepoint de transformer cette espèce de féerie de la natalité en putain de film d'horreur, en fait. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né le truc. Genre, c'est réjouissant un calendrier d'Avent, eh ben, je vais en prendre un qui fait un peu mal au cul. Et faisons plutôt de Noël une période propice à écrire du film d'horreur. Je l'ai payé cher, évidemment, puisque à cause du Covid, comme on n'a pas pu sortir en 2020, on avait encore une fenêtre d'ouverture en janvier, en février, en mars. Après, ça devenait difficile de vendre des calendriers de l'Avent à Pâques. Donc, alors en été, n'en parlons pas. Même si mon film ne pue pas la neige et le patin à glace, il y a quand même une petite ambiance qu'on a voulu y mettre. Donc voilà, on a dû attendre une nouvelle fenêtre et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va sortir ça au mois de décembre, quoi. Voilà un petit peu la genèse. Du pourquoi un film d'horreur et pourquoi le calendrier. Évidemment, je pense que tout le monde, je vais pas faire le faux cul en me disant que je n'ai pas un tout petit peu imaginé aussi la possibilité de faire une espèce de franchise. J'adorerais faire le calendrier 2. On a un super calendrier, cette boîte existe, j'aimerais bien raconter une autre histoire en le mettant dans un autre pays avec une autre langue. Alors, dans le même pays, peu importe, toujours en français. Mais voilà, le côté exercice de style, réinventer ce calendrier, quelque chose qui me tenterait vraiment très fort. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à son handicap. Elle est donc effectivement paraplégique, elle est devenue paraplégique suite à un accident. C'est une ancienne danseuse devenue paraplégique, donc c'est quand même lourd. Donc, c'est lourd pour tous les paraplégiques, mais là, en l'occurrence, ses jambes étaient presque son moyen d'expression artistique et poétique. Et ce calendrier semble lui permettre d'accéder à une forme de miracle dont on comprend très rapidement qu'il pourrait s'agir de retrouver l'usage de ses jambes. Ça, c'est une des premières choses. Donc voilà une première vision, c'est-à-dire elle pourrait sortir de sa paraplégie. Plus elle bouffe les bonbons, plus ça a l'air de la rapprocher de ses miracles. Deuxième chose aussi, effectivement, il y a dans le film une entité qui est quand même maléfique, dont on est très fier aussi, un putain d'artiste qui nous a fait ce personnage. Et dont on sait que puisqu'elle est en chaise roulante, il est inutile de fuir. C'est d'ailleurs même une des questions que l'on doit se poser souvent quand on est au cinéma et quand les gens sont confrontés au malin. On ne fuit pas devant le diable. Il courra de toute façon plus vite que vous. Les seules personnes devant lesquelles on peut encore avoir une chance de s'échapper sont des dinosaures de Jurassic Park, si vous trouvez un petit trou. Ceux-là, ce n'est pas le diable. Mais Godzilla, c'est déjà autre chose. Godzilla, vous ne lui faites pas le coup du petit trou. Et je ne peux pas spoiler, mais il y a une créature dans ce film à laquelle elle va être confrontée, et le fait qu'elle soit en chaise n'est pas réellement un problème. Par contre, le fait qu'elle soit en chaise est un problème par rapport à tous les fils de pute
qu'elle va avoir le loisir de rencontrer dans son histoire, et ça y va, et ça y va. Et on m'a dit dans un premier temps, c'est un peu exagéré, on a travaillé quand même avec une paraplégique qui m'a dit, vous êtes loin de la vérité. On se prend des trucs comme ça, mais alors ça peut être du racisme ordinaire qu'on envoie envers des personnes paraplégiques, genre son patron lui fait remarquer au début du film qu'elle devrait être un tout petit peu plus efficace, parce que, bordel, elle lui a coûté de l'argent, quoi. Et il lui fait la remarque, tu sais combien ça m'a coûté d'aménager les chiottes? Voilà, ce genre de remarque dont on me dit que oui, attention, c'est exagéré, et dont on m'a dit non, non, on prend ce genre de remarque très souvent. On vous fait sentir qu'on a dû mettre les plus grandes portes dans les toilettes, une rampe, que la toilette a coûté 600 euros, et donc maintenant il va falloir faire du chiffre, quoi. Et donc finalement, c'est face à ce genre de personnes que son fauteuil est encombrant. Et donc ça, c'est pour un troisième niveau. Donc on ne fuit pas devant le diable, impossible. Il a des cieux partout, il court plus vite que vous. On peut essayer de fuir devant les humains, son alter ego, quoi. Enfin, ses semblables, et ce sont presque les pires dans cette histoire. Et puis alors, il y a cette notion de miracle dont on se dit qu'effectivement, elle va récupérer ses jambes. C'est très biblique, hein, si on met le calendrier d'Avent dedans, il faut quand même accepter aussi que le petit Jésus a un rapport avec l'histoire, quoi. En général, ce genre de questions, j'ai toujours un truc à répondre. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est une période un peu particulière où ce scénario, le projet, le calendrier, il est presque ancien déjà. Évidemment, il a été tourné il y a 2 ans, il aurait dû sortir il y a 1 an. Il va sortir seulement cette année-ci. Et période Covid oblige. En plus, je suis dans un pays qui est la Belgique, où on produit moins de films. C'est pas comme si le mien ne sortait pas l'année dernière, c'est pas grave, j'en ai 2 autres sur le chantier. J'ai moins de coûts, j'ai moins de possibilités de faire un métier que j'adore. Donc, j'ai décidé d'avoir pour seul projet d'attendre la sortie de ce film, qui est quand même du bonheur, du pur bonheur, et j'ai besoin qu'on me le rappelle, j'ai besoin d'être interviewé pour me rendre compte que c'est important d'avoir la chance d'avoir fait un film. Par exemple, je vous ai dit, il a été sélectionné il y a une semaine pour un festival, l'ouverture d'un festival. L'ouverture d'un festival, c'est quand même quelque chose. J'ai appris qu'on faisait l'ouverture d'un festival, bah, j'étais un petit peu dans un, pas désenchanté, mais ok, ça va. Et j'ai dû envoyer un message, enfin j'ai envoyé un message à ma famille, en disant voilà, mon film fait l'ouverture d'un festival, qui veut venir? Et je voyais les messages, génial, Patrick, oui, super, moi, une place, 2 places. J'avais besoin je les remercie, de m'avoir rappelé à quel point c'était du bonheur, que c'était une fête, que c'était important. Donc là, maintenant, mon projet, c'est d'arriver à me réenchanter. Ce film, c'est l'occasion de le faire. Et d'avoir peur d'un échec et de me réjouir d'un succès. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on fait ce métier, enfin que je le fais, moi. Et donc, j'ai besoin de laisser ce projet sortir le 1er décembre, de vibrer avec lui et voir qu'est-ce qui va se passer le 2, le 4, le 7, le 10. Et pourquoi pas quelqu'un des producteurs, d'autres producteurs ou les miens ou mes distributeurs qui voient des courbes ou qui voient des calmes plats, mais des gens qui me fassent des propositions. Pourquoi pas un scénario déjà écrit qui arriverait sur mon mail en disant voilà, on a vu le calendrier, nous avons un scénario de film d'horreur à vous proposer, ou une série sur Netflix où il faut un réalisateur pour 4-5 épisodes. Voilà, je vais me laisser un peu porter par ce que ce film va m'amener, s'il m'amène quelque chose, sans décider maintenant que j'ai déjà envie de réaliser un film de guerre. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de laisser le calendrier un petit peu me donner son rythme. Voilà pour cette entrevue avec Patrick Ridremont. Ça a été un réel plaisir de discuter avec lui. Vous pourrez retrouver son film Le Calendrier dans toutes les salles en France à partir du 1er décembre 2021. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.